Dance Dance, vous devez commencer à maîtriser, non? Pour les trois du fond, on rappelle qu'il s'agit d'un jeu de musique dit Rhythm Game et qu'il se joue avec un tapis sur lequel il convient de placer ses pieds aux bons endroits, au bon moment. Même si les applications d'un tel concept sont assez limitées, Konami arrive toujours, on ne sait comment, à faire évoluer le style. Ça doit être ça le génie. En tout cas, Disney Rave, présenté comme un arrogant spin-off de la série Dance Dance, semble viser plus particulièrement la clientèle enfantine. À première vue, hormis l'habillage, le jeu propose peu de nouveautés. En revanche, au niveau des musiques, ce ne sont que des morceaux inédits dans la gamme Bemani de Konami. Tous les titres sont en rapport direct ou lointain avec l'univers Disney et sont en général remixés de manière à être jouables. L'agencement des flèches reprend de vieux combos connus et on retrouve le mode solo à deux tapis qui fait le bonheur des riches qui n'ont pas d'amis. Le principe est de poser les deux tapis côte à côte et de passer de l'un à l'autre en suivant les directions données. For example, yes. One night I said it to me girl and now me girl's me wife. Passons maintenant à la vraie nouveauté du jeu, il s'agit du mode Dance Magic. C'est en quelque sorte une adaptation des innovations qu'avait apporté The Jungle Book Groove Party de Disney Interactive. En gros, chaque enchaînement réussi fait grossir votre jauge de combo jusqu'à ce que vous soyez en mesure de déclencher une attaque. Celle-ci se fera automatiquement et infligera diverses pénalités à l'adversaire. Ce mode de jeu est parfaitement adapté au style du jeu et apporte vraiment quelque chose de plus. Si l'on oublie les bruitages un peu trop présents pendant les attaques, c'est le mode idéal pour se faire un véritable combat de danse qui ressemble à quelque chose. Pour revenir à des considérations d'ordre plus général, la grosse surprise vient surtout de la difficulté du jeu. On s'approche plus d'un vrai Dance Dance que d'un Jungle Book. On se demande alors à qui s'adresse ce jeu. Si c'est trop dur pour les enfants, ce jeu serait-il destiné aux filles? Non, rassurez-vous, c'est un titre qui peut plaire à tout le monde. Les musiques sont nombreuses et plutôt variées finalement. Les Jackson 5, la Macarena, voilà de quoi danser sur autre chose que sur l'éternel It's a Small World. Dance Dance Revolution Disney Rêve peut sembler être un achat intéressant pour ceux qui possédaient déjà le tapis. Il offre une ouverture assez sympa sur d'autres styles de musique et conserve la pêche et l'ambiance sympa de la série, même si c'est vraiment dans un autre genre.